Allez, on est avec Franck Anne qui va présenter Hakim du Cap-Vert. Une première sur les programmes de Caen, on l'avait vu à droite, à Angers. Depuis, il a couru le prix Kerjac. Ouais, mais il a couru à Vincennes, le chrono était excellent. Lui, il a manqué pour finir. La course de Caen est correcte, il n'y a pas de rendement de distance. Et puis, c'est pas loin de la maison surtout, donc ça permet de travailler en vue des autres courses. Mais il va faire une course quand même, parce que je vous dis, c'est des champions. Hein. Ouais, et puis, il se plaît quand même à cette période de l'année. C'est ce que vous aviez rappelé dernièrement. Il alterne la monte et également la compétition, ça lui plaît beaucoup. Voilà, il a l'air d'être en forme. Bon, bah, malheureusement, il trouve pas sa bonne cadence sur le podium, mais le cheval fait quand même des performances correctes. Et la piste plate, ça devrait être intéressant. Et à droite, va falloir l'équiper un peu plus ? Non, bah, le jour à Angers, c'est vrai que c'était sa première à droite, donc il a été un peu pris de vitesse dans la volte, mais là, on va faire attention. Les paris en font quoi ? 4-5, c'est envisageable ou ça paraît pas évident ? Bah, s'il fait sa course de Croisé-la-Roche ou de Vincennes l'autre jour avec un chrono semblable, c'est pas mal quand même. Mais là, l'autre jour, c'était vraiment une course avec Traders qui était affolante. Hein. Le rythme était très élevé.